Voilà, ces oiseaux, ces oiseaux-là, tel neuf mis en de sa main. Elle va bien écrire un livre d'Atifioué, tel neuf de l'association et de la fédération des navires Amérique du Nord. Premier contact, ils l'ont passé, on a échangé beaucoup, les autres membres. J'ai fait connaissance au fur et à mesure à Takoum Saha, la rentrée de l'Église, c'est l'association Eguinouane. Je suis vraiment très honoré d'être ici parmi vous. Ce que tu sais faire, c'est qu'on parle de l'Église à l'Canada. Ça nous a eu justement, comme par hasard, c'était pour une conférence sur Slimanes, donc le hasard. Et en plus, je vais être quand même franc avec vous et vous avertir un petit peu sur la structure de mon livre pour ceux qui auront à disposition ce livre. J'ai écrit à peu près une quarantaine de pages, une cinquantaine de pages. Et puis, dans Suez, il y a un Moissac avec un ami restaurateur suisse, Abderzak Chakri. Et c'est un très beau restaurant des Pays-Bas, c'est le Canoun. Et je l'avais convaincu pour qu'on achète la maison, l'ancienne maison de Slimanes, pour en faire un lieu culturel, un lieu de pèlerinage, un musée, etc. Donc, on a fait beaucoup de voyages à Moissac et tout ça. On a essayé d'avoir un crédit, malheureusement, on n'a pas pu, pour être franc. On n'a pas pu, on a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu presque 20 000 euros. Voilà. Et donc, dans ces voyages-là, évidemment, à chaque fois, nous serons tous aux autres, c'est pas une semaine. Et bref, nous allons revenir avec une nièce et un neveu de Slimane, et puis un certain nom, et on aura le gardien du cimetière, et il y a un livre qui est toujours un peu de et c'est Yuen, c'était en 2021, il a dédicacé une gardienne du cimetière qui est un portugais. Vous allez en faire un meilleur usage que moi. Et puis, la nièce de Slimane, Naïta Hassan, s'il n'y a pas d'inconvénient, tu vas lire ce livre pour nous. Et tu vas voir si ce n'est pas diffamatoire, si il n'y a pas de truc auquel cas il va falloir qu'on engage une procédure, un hadith qu'on empêche la diffusion. Donc, Bursid, je l'ai avalé le livre. Je trouve que l'auteur, c'est quelqu'un que je connais très bien. Nous sommes depuis les années 80. Il est venu, je l'ai même fait venir plusieurs fois dans mon cours. Il a fait des conférences, etc. Mais j'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu du livre. Il y avait deux lignes, il y avait deux ou trois phrases que nous avons dit. Alors que c'était un poème qui aurait pu être l'hymne national. À côté de Prasaman, Frère Jarrat Tamoutim, il défend en 1956, il y avait le congrès de la Souma, donc il aurait pu être un hymne national. Donc, une charte, on a un petit article sur Frère Jarrat Tamoutim. Et puis j'étais inspiré par ce chant-là. Il faut le réécouter. Il faut réécouter ce chant, c'est extraordinaire. Il commence déjà par un poème simohandien, en forme de levain, en forme de donc, trois vers, avec des rimes croisées A-A-B, trois fois. Donc c'est vraiment ce qu'a décrit Mouloud Mahri, je le dis ici dans le livre, ce qu'il avait décrit comme étant un neuvain simohandien
qui n'existait pas auparavant. C'est lui, le créateur de cette composition-là. Donc, c'est là, et puis, moi, j'ai écrit 33 pages. 33 pages, un article, bzef. On m'a regardé, il a dit, parce qu'il est exemple, il est exemple, il est exemple, il est exemple, il est exemple. C'est le seul, il faut pouvoir l'arrêter. J'ai un cousin, Ardenor, il a eu une succède, il a dit tout de suite, il laisse Ardenor. Il a dit, petit cousin, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, 80 pages, 90 pages, un fascicule, ça va suffire et tout ça. Donc, il a essayé, il m'a encouragé. Et puis voilà, soit que ça fait bien. C'est pour ça que ceux qui auront le livre, il y a un déséquilibre. C'est-à-dire, Frère Jean-Thérmoussier, c'est le cœur de l'ouvrage, mais évidemment, il fallait sortir de là. Il fallait donc prendre des autres compositions, et donc j'ai pris des stances, des refrains, des strophes, des choses comme ça, dans le répertoire de Bessie-Limane, sauf j'ai pas pris dans le répertoire qui est aussi important, c'est peut-être 25% de sa production, tout ce qu'il a fait avec Schnorde. Donc j'ai laissé ça pour d'autres fois, mais pour d'autres. Et donc au fur et à mesure, évidemment, que j'ai avancé, j'ai trouvé finalement un Slimanisme qu'on connaissait comme ça vaguement, c'est un chanteur. Il a quelques compositions à Kenya assez particulières pour son temps. Puis je me suis rendu compte que finalement, c'est d'une profondeur inestimable, inimaginable. C'est comme si on rassemblait, je ne sais pas, à la fois mes références étant francophones, et simples. C'est bon comme ça. C'est comme si on rassemblait. Victor Hugo, Molière, je ne sais pas, peut-être Mallarmé, quelqu'un comme ça. C'est à la fois de la philosophie politique, de l'ethnophilosophie, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, et de la philosophie qui court, universelle. Un diéchoukre de Bifker, ou ce qui est un pastor. Non, ils ont besoin de Michel Zuzgen, de Michel Mitterrand-Fouriot, etc., etc. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai trouvé qu'il y avait une grammaire émotionnelle, une grammaire philosophique, d'une profondeur incroyable, qu'on n'a absolument rien à, je veux dire, à envier à la culture, à la philosophie occidentale, etc. Et je me suis rendu compte que si... en Occident, je connais beaucoup moins, je connais presque pas du tout d'ailleurs, parce qu'elle est traduite en français, la culture américaine, sauf peut-être ces 20 dernières années, je me suis intéressé, à notre volet de ma casquette, une de mes casquettes, je me suis intéressé à la psychologie comportementale, donc évidemment j'ai étudié Milton Erickson, Pittsburgh, j'ai étudié Grégory Letzol, beaucoup de, évidemment, de psychiatres américains, de psychologues américains, etc. Je suis enseignant certifié en PNL, j'ai fait de l'analyse transactionnelle, j'ai fait ce qu'on appelle les IOS, intervention en anti-solution, etc. Je suis coach de formation, donc je travaille aussi en tant que coach, etc. Donc j'ai pris quand même de la culture américaine et de tout ce que je connais, peu que je connais de la culture occidentale, eh bien, Slimane Hazim, vraiment, très franchement, il a rassemblé tout ça, et avec comme seul capital de référence, notre culture ancestrale. Parce qu'il n'a pas été à l'école, Slimane Hazim. Il n'a même pas eu son certificat d'études. Et donc, je me suis intéressé, d'ailleurs si vous avez le livre, je vous disais que non seulement il y a un déséquilibre, ce qui devait être une introduction, finalement ça s'est transformé, presque malgré moi, presque à mon corps défendant, c'est vrai,
c'est une annexe. Donc ceux qui ont le livre, à la limite, si vous voulez d'abord vous imprégner de l'imaginaire azénien, de l'ancrage à la fois psychologique, psychanalytique, à la fois historique, culturel, anthropologique, etc., peut-être qu'il vaut mieux se référer, aller directement commencer par lire l'annexe 1 qui est en page 103, où j'ai parlé des sources de l'imaginaire azénien avec une chronologie des faits marquants de ce que nous, nous avons vécu. Quand je dis nous, jeunes, moins jeunes, etc. Pourquoi ? Parce que précisément toutes les sciences psychologiques, quelle que soit la psychologie, qu'elle soit psychologie individuelle, psychologie collective, psychologie comportementale, etc., toutes les approches psychologiques que j'ai eu la chance d'aborder plus ou moins profondément, nous renseignent que finalement, nous n'avons pas uniquement hérité de nos gènes, de notre physique, de notre physique, du visage, de la taille, de corps, c'est-à-dire de nos parents, de nos grands-parents. Nous n'avons pas hérité que le physique, nous avons aussi hérité du psychologique. Il était évident qu'il y a une transmission psychogénéalogique, parce que malheureusement, dans les universités algériennes, il n'y a pas d'études de psychogénéalogie. Même en Occident, c'est relativement récent. C'est les années 50-60. Et ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur à partir des années 80. Et c'est venu d'ailleurs de vos voisins, des Américains. Quoique un des pères de ces sciences-là, qui est Eric Berne, qui a été entre autres l'inventeur de l'analyse transactionnelle, il a fait des études de médecine ici, à Montréal. Vous avez enregistré dans l'université de Gilles McGill. Voilà. Donc il a fait ses études de médecine ici, après il a émigré aux États-Unis où il a fait des études de psychiatrie. Il était évidemment avec Freud, et à un moment il a trouvé que la psychanalyse c'était pour la bourgeoisie, il a trouvé que la psychanalyse ça coûtait trop cher et que c'était trop long. Et donc il a eu un éclair de génie pour justement permettre la thérapie à moindre coût et à portée de tout le monde. Donc il a inventé cette approche extrêmement efficace qui a été utilisée d'abord dans les milieux médicaux, psychologiques, psychanalytiques et psychiatriques, qui s'appelle donc l'analyse transactionnelle, et qui a débordé et qui a fini évidemment dans les entreprises. Les Américains ont cette caractéristique, c'est que quand quelque chose marche à l'université, ils la sortent de l'université et la mettent sur le marché, comme l'informatique, comme plein de choses. Donc pourquoi je dis ça par rapport à Simon Hazen ? C'est parce que nous portons évidemment les germes de ce qui s'est passé depuis des générations et des générations. Et le peuple kabyle, particulièrement le peuple amazigh en général, on a vécu non seulement plusieurs guerres, mais aucune génération n'a été épargnée. Sans remonter à l'histoire très ancienne, on peut se limiter, à la période ottomane, donc trois siècles après la colonie romaine. Et on a souffert avec les janissaires, avec le système ottoman, etc. Xina le pouvoir, Xina, on rasait les murs, il ne faut pas croire. On était évidemment limité territorialement, etc. Donc on n'avait pas véritablement de poste d'autorité dans ce système-là, où on servait plus ou moins du chaouiche, ou bien on était adversaire, ou bien on était des collecteurs d'impôts, de taxes, etc. Ou bien on était carrément en marge
Et là, on subissait la matraque, on subissait la torture, on subissait des exécutions sommaires, ainsi de suite. Après, bon, on est revenu évidemment à Tchimbele, qui a besoin de le premier a fait le cadeau. Et pour la révolte de 1871, je ne parle pas de celle de 1854-56 avec la réforme de Soumer, où on a été plus ou moins épargné, où les Français ont décidé de nous faire garder les structures anciennes, etc. Mais 1871, on a été décimé. Je crois qu'on ne dira jamais assez aux jeunes générations, malheureusement nous n'avons pas ici, mais sans doute qu'ils nous écoutent à travers l'Internet, à travers le web. 1871, la Kabylie, et j'insiste là-dessus, a perdu 50% de sa population. 50% de sa population. Par les exécutions sommaires, par les famines, par le bannissement, par l'exil. La Nouvelle-Calédonie, la Guyane française, le Constantinois, la Tunisie, la Syrie, la Palestine, c'est des dizaines de milliers de familles kabyles tronçonnées, éparpillées, etc. Évidemment, c'est un coût énorme que nous avons payé et que nous payons toujours. Et donc, ces guerres-là, qui ont été évidemment plus ou moins décrites d'une façon, on va dire, oblique, pour utiliser l'expression de Katabiyassi, de façon oblique par Simhan Doumhand, par Cheikh Mohamed El-Hossi, etc. Quand on lit Mouloud Mahri, les travaux qu'il a fait, vraiment d'une immense importance, quand on lit Ben Mouloud plusieurs reprises, comme un roman, mais revenir dessus, comme on lit un livre scientifique. D'ailleurs, on voit non seulement la richesse, évidemment, de notre patrimoine, de notre façon de penser, etc., mais également les souffrances qui s'en dégagent, les stigmates qui restent, justement, de tous ces siècles de souffrances. Donc, ces guerres-là, évidemment aussi, Sulaymanazm est né au lendemain de la fin de la Première Guerre mondiale 14-18, ce qui veut dire qu'évidemment, ses parents, ses grands-parents, non seulement portent les stigmates, non seulement il n'y a pas une famille kabyle qui a été épargnée, mais aussi il y avait la faim, carrément la famine pendant cette période-là. Il faut se rappeler, et puis on a perdu, les Kabyles ont perdu leurs terres, ont perdu leurs vergers, leurs oliviers, leurs arbres fruitiers qui ont été coupés, brûlés, dépossédés, etc. C'est vraiment une tragédie énorme dont on ne mesure pas jusqu'à aujourd'hui les conséquences désastreuses à la fois économiques, anthropologiques. Surtout psychologique. Donc, Sulaymanazm est né au lendemain de cette guerre. Évidemment, dans le village, on parlait de quoi ? On parlait de cette guerre. Et comme on parlait de Simhan Doumhand, il venait de décéder pratiquement. Sulaymanazm est né en 1918. Simhan Doumhand est mort en 1905. Il y avait le départ de l'immigration, d'exil. C'est pour ça que, évidemment, Sulaymanazm a commencé sa première composition, La Mohamour, c'est l'exil. Et donc, c'est toute cette configuration-là qui est comme un ancrage dans le travail, dans l'œuvre de Sulaymanazm, dont j'ai la prétention d'avoir analysé un tout petit bout. Quand on regarde l'épaisseur de cette œuvre, moi, c'est ce que j'ai essayé de dire en essayant de respecter sa grammaire émotionnelle, sa grammaire langagière, etc. C'est une feuille de papier sur une grosse femme, c'est d'une épaisseur inimaginable.
Voilà, donc pour ceux qui évidemment découvriront ce livre-là, vous allez voir que c'est vraiment insignifiant par rapport à... Mais enfin, donc je suis parti tout simplement de 1830, la colonisation, le roi Philippe, etc., la mainmise évidemment des conquérants sur l'Algérie au fur et à mesure, l'émir Abdelkader, qu'est-ce que ça signifie pour l'époque et pour nous, la révolte de la Farman Souma, ainsi de suite, les deux guerres mondiales, évidemment la guerre de libération nationale, etc. Et puis, parce qu'il va falloir que je vous laisse parler. Quand je vous sors, c'est rare, hein, que je m'arrête de dire. Non, alors, Desliman est à la fois un littéraire, parce qu'il y a la belle poésie, vraiment la belle littérature, etc. Mais à la fois aussi, c'est un philosophe. Je commençais à parler de ça. Et puis c'est un anthropologue, un sociologue. Par exemple, les compositions comme Khader Khader de Bzaou de Mar, parce qu'à l'époque, le Kouvet Mishtion de Khaoui, donc l'Irix, ce chat, pour des raisons évidemment, c'est pas pour des raisons de moralité, c'est parce que justement il y a une pression, il y a évidemment un déclassement, il y a une souffrance, etc. Donc, de tous les combats qui ont été menés par les Kabyles, énormément de combats contre les Turcs, contre la première colonisation, on ne dira jamais assez que le 19e siècle, les Kabyles qui ont affronté le 19e siècle contre la France, il y avait beaucoup plus de dégâts que pendant la guerre de libération nationale. Je mesure évidemment totalement mes paroles, ce que je dis. Mais les exécutions sommaires, il ne faut pas oublier, quand Melika Gogolan chante Mouvera Boubarat et Boubta Cholet, vous savez évidemment ce que c'est. C'est le maréchal Beauprêtre qui, à l'époque, dirigeait, en tant que colonel à l'époque, il n'était pas encore un maréchal, il dirigeait la région de Dréhamizem et il payait ses soldats et les auxiliaires de l'armée française, il payait en fonction des têtes qui étaient ramenés, et des oreilles, des paires d'oreilles. De Wilashkar, les paires d'oreilles, vous aviez tant de francs. Donc, ils étaient exécutés sommairement et mutilés, Bechekinim, Tsoachalsam, tout ça. Donc, tout ça, le 19e siècle a été d'une grande souffrance. Les chambres à gaz ont été inventées par l'armée de Bugeaud avant que ce soit. Celle de Hitler, donc les enfumades, c'est ça, les chambres à gaz, c'est tout simplement les enfumades, dans les Kabyles qui se cachaient dans les grottes, qu'on mettait aussi dans les grottes, qu'on emprisonnait, et puis on mettait le feu, Tchaltimus, la boule des asphyxiés, ils mouraient asphyxiés dans les grottes par milliers. Donc, c'est totalement une tragédie, donc. Slimane Azmi est aussi quelqu'un qui est un géopoliticien et prémonitoire de la bombe atomique. Il a parlé de la bombe atomique. Nouvelle de la bombe atomique. Là, j'ai marqué dans ton page 23, je vais dire ça. Guerre antique, ne n'est-ce d'ailleurs, la Kim Rousse d'Amérique. كبر الدعوة جالسن كل واحد قادير ما فيك ما دلوقتي تخويفن خدمن لابن باتوميك نقول على حسن يرم donc imaginez aujourd'hui on parle justement de la bombe atomique dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine, de l'agression de la Russie sur l'Ukraine. On parle aujourd'hui de la possibilité justement de l'anéantissement, et Slimane évidemment ils ont parlé dans les années 50, 60, et parler de l'émergence de la Chine comme puissance
évidemment mondial, Zikida Roussamel et Cantoré Arnaud Chinois, c'était important de le souligner, c'était avant Alain Perfit. Alain Perfit qui est considéré en France, et pas seulement en France, en Occident, il a été traduit en américain, Smith, parce qu'il avait parlé, il avait écrit le livre, le fameux livre, Quand la Chine s'éveillera. Ben, Simonazin avait parlé de l'émergence de la Chine avant Alain Perfit. Et c'est vous dire que c'est extrêmement important. Donc, il a été vraiment prémonitoire et on trouve justement cette histoire anxiogène qui a déteint sur la société kabyle. Quand on l'observe aujourd'hui, quand on observe par exemple que les espaces de liberté qui nous sont offerts, à savoir que nous habitons pour un grand nombre d'entre nous en Europe, en Amérique, quand on voit l'espace de liberté aussi que nous offre le web, et qu'on l'utilise beaucoup plus comme un ring, plutôt que comme un espace justement, non seulement de fraternisation, mais aussi de construction d'objectifs qui puissent nous sortir justement de la mouise où notre pays se trouve, où notre peuple se trouve, etc. On voit tout simplement que c'est le résultat où le chien, où le chien a dit qu'il y a des royaumes de soi-même dans la nuit de l'homme. Il y a une grande travaillée dans sa façon de faire. Donc, évidemment, il faut qu'on prenne conscience. Mais que c'est Milton Erickson, qui est un des plus grands psychanalystes, psychiatres américains dans le monde, qui est l'inventeur de l'hypnose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson, et Caras, il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens souffrants. C'est extrêmement important pour nous. Il n'y a pas de gens méchants, il y a des gens souffrants. Donc la souffrance transgénérationnelle, et qui évidemment s'amplifie au fur et à mesure que nous sommes marginalisés, prend des allures de tragédie au fur et à mesure que nous sommes écrasés, au fur et à mesure que nous sommes rapetissés, au fur et à mesure que nous n'avons pas de place, au fur et à mesure que nous sommes obligés de nous vendre, nous sommes obligés d'abdiquer pour exister, etc., pour avoir une place dans nos institutions, etc. Donc quand on arrive à ce point-là, il ne faut surtout pas s'étonner que l'on s'étripe entre nous. Parce que quand la souffrance est là, quand les blessures sont là, et quand les combats que nous avons menés les uns après les autres, et où nous avons tout donné, nous couvrons ainsi maintenant, évidemment, quand tout ça nous arrive, il est évident que sans nous rendre compte, eh ben, on aboutit à utiliser notre énergie après contre nous-mêmes. Sinon, mais bien évidemment, ça a été le souffle. Évidemment. Louis Wallace me disait, parce que justement, nous traînons ces tonnes de souffrances, ces siècles de souffrances, ces générations de souffrances, ces décennies de souffrances, il est évident qu'il en ressort aussi des réactions parfois incontrôlées, parfois disproportionnées, parfois même sans intention de les donner, en tant que les coups sans intention de les donner. Donc, et malheureusement,
La parole n'est pas donnée aux psychologues, la parole n'est pas donnée aux psychiatres, la parole n'est pas donnée aux thérapeutes. Elle est donnée aux politiques, elle est donnée aux radicaux, elle est donnée. Et il y aura encore une fois. Soit notre terrain de prédilection, c'est une salle d'attente, une salle de visa, soit c'est un terrain de confrontation. Évidemment, voilà, donc je reviens à Slimane. Je veux peut-être insister sur une chose. Beaucoup lui ont reproché, Inassif Lali. Mais j'insiste sur ce point-là. Peut-être justement que mon ouvrage a ce point. D'ailleurs, Rachel Ouamara, je ne sais pas si vous avez lu la recension qu'il a fait de mon livre, c'est d'avoir justement, au départ, évidemment, c'est inconscient pour moi. Je ne l'ai pas fait par calcul. Mais il y a aussi parfois l'inconscient, il fait des choses. C'est bon pour les cours. Que Slimane aussi a été écologiste avant l'heure, fin des années 40, début des années 50. Et une femme de l'écologie, j'ai notre théorie, C'est une chanson qui a été reprise par beaucoup. Par les films de Dura, par Chassine de Mol, par, je crois, par Mathieu Brunès, par, je ne sais pas, par une seule, je ne sais plus, non, mais. Dounis Forf Kfam, Fnumjar Kfam, Fgredra Lakhan Smen. Le Koumiz le Sefam, Ishtar de l'Harfam, Wemenouk et Kiran. Pour les personnes du web, comprenait pas le Kabyle. La planète est maintenant ruinée, rabotée jusqu'à corrosion, arrive en fin de cycle. L'homme s'est métamorphosé, a abusé de ses activités, les gens de science en sont tourmentés. Après, et qui m'a dit, j'en arrêterai là sur ce point-là, le wok surey dhouel. يسدون أكمسي هو ولاد الحليب الدل تخسر ولاد الهوى كل شيء ثوري مخبل يخلط يتجد الهوى ونزمير لنعقل ماذا بدون تشتوى on en est en plein dans la perturbation climatique, dans le changement climatique et dans l'usure de la planète. Il a averti depuis des années 50. Et comme disait Achoua Ouamara dans la recension, qui a repris un paragraphe justement de ce que j'ai écrit ici, les hommes du GIEC, les experts du GIEC, ben, devraient être inspirés par une œuvre comme ça, parce que précisément, il a parlé de l'activité humaine qui contribue à l'usure de la planète. Sans compter qu'il a prévu avant l'heure la conquête de la Lune. Khalqan Damoto, Hansel Gol, Nougal Bitsati Dravdan, ainsi de suite, etc. Alors, pour revenir maintenant aux accusations qui ont été proférées par les détracteurs de Slimane Azem, à savoir que la chanson de Inassif Flani. Ce serait le FLNI, ça a été traduit comme FLN, et donc qu'il appellerait le FLN à se rendre, alors qu'il a chanté juste avant Fajr Temurti, et puis Yadhar Douago, qui normalement, c'est sans ambiguïté, complètement. C'est pour ça que je suis heureux finalement, même s'il y a des équipes dans cet ouvrage, d'avoir décortiqué. Cette chanson de Fajr Temurti, vers par vers,
métaphore par métaphore, rythme par rythme, et aussi intonation de voix par intonation de voix. J'ai essayé de m'intéresser même aux articulations, rythmiques de cette chanson-là, parce que j'ai écouté plusieurs fois le refrain qui se pose comme une espèce d'appel, comme l'appel du muezzin, pratiquement, je l'appelle le mood, et puis c'est un appel pathétique. Et puis, même musicalement, quand arrive le corps de la chanson, ça devient au contraire une musique militaire. On passe d'un rythme totalement, lent, une espèce d'appel, liturgique, au contraire, à une batterie complètement militaire. Donc, il y a une espèce de, justement, non pas de rupture, mais de conjonction entre un monde qu'il a décrit auparavant, qui est celui d'avant la colonisation, il décrivait la Kabylie, l'Algérie d'avant la colonisation, et puis l'île au Gérard Slahmak, ainsi de suite. On pourra revenir là-dessus si vous voulez. Mais le plus important, c'est donc cette chanson de Nassif Fulani. Ça a été interprété injustement comme étant un appel Zahra de Slimane Azim au référendum de son rang. Et je vais vous montrer que ça n'a absolument rien à voir. Voilà ce qu'il dit en substance. L'aïqar d'insilam ou l'isra karsan, itkimni l'il adam ou rasivan sani. Maïstarhar yindam, de wenis n'ran kuni. Si ou la sina sarwah, maïlam de l'umouman, ed kfourno kuljirah, ed halounu ou laoun, ed douk, aïdum smah, en oual desmasin. Encore une fois, je traduis pour les gens du web qui ne comprendraient pas le kabyle. Il se dit musulman, mais son cœur est insensible. Il persiste dans le méfait sans en entrevoir le bon. S'il venait à s'amender, c'est ce que nous en attendons. Appelle-le et dis-lui, s'il est homme de piété, il sera mis fin aux blessures. Les cœurs seront apaisés, nous prendrons le pardon et redeviendrons frères. Et donc, quand il a chanté cette chanson-là, et c'est ça qui est extrêmement important, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je vous lis directement la référence dans l'annexe 1, qui aurait pu être l'introduction. Voilà, 216, voilà. 1959, le 17 septembre. Et il faut savoir que cette chanson, Inasil Fulani, est sortie novembre-décembre 1959. C'est très important les dates. Donc, sortie de la chanson, Inasil Fulani. Donc, 1959, 17 septembre. Autour de 11h30, heure de sa promenade habituelle, Messali Hadj sort de sa villa, le manoir, sise dans l'Oise près de Champigny. Il est accompagné de ses six gardes du corps. Un commando du FLN de 6 à 7 membres fait irruption, fait feu sur Messali Hadj et rate sa cible. Deux membres du commando, Mohamed Atama et Ali Aït Kassi, y laissèrent leur vie. Le premier est tué par les gardes du corps de Messali Hadj et le second, quelques heures après, par des gendarmes français appelés à la rescousse. Messali Hadj est indemne, mais ses gardes du corps perdent un des leurs en la personne de Ali Djouadi.
L'épisode sanglant relance la guerre déjà cruelle entre le FLN et le MNA. Il faut savoir que Sulayman Azem est rentré au PPA en 1937. Dès qu'il est arrivé en France, dans l'est de la France, du côté de l'Ouï, Sulayman Azem a adhéré au parti dirigé par Misselia. Et il faut savoir aussi que notre région, l'INA, le Gouaweyem, c'est une région de Bessalistes. Jusque les années 57-58 ans encore. Et je peux même vous dire que Ben Tobel, et je le dis ici, Ben Tobel, dans la référence bien évidemment, a accusé dès 1956 Kérim Belkacem d'être encore Bessaliste. C'est vous dire à quel point le messalisme était extrêmement important, notamment en Kabylie. J'ouvre une parenthèse, je me demande même si nous, militants, intellectuels, Kabyles, qui insultons du matin au soir le Salih Hadj, et qui a été récupéré indûment par le Sénat, évidemment, réhabilité par Bouteflika. Par qui? Réhabilité grâce à Benjamin Stora, qui a fait pression sur François Hollande. Et François Hollande a fait pression sur Bouteflika. Et c'est la raison pour laquelle que un des voyages du président François Hollande, c'était à Tlemcen. C'était à ce moment-là qu'il y avait eu réhabilitation de Messali Hadj. Donc, c'est nous qui avons fait Messali Hadj. Ce sont les Kabyles qui, depuis 1927, non pas 1926, c'est-à-dire la création de l'étoile nord-africaine par les Kabyles en 1926, un an après, ils ont appelé Messali Hadj à rejoindre leur rang. Et dans quel but c'était à l'époque? C'est extrêmement important. Et ça fait partie des ancrages psychologiques, historiques, etc. de Sulayman Azem. Et donc, d'une autre aussi, de nos ancrages. Ils ont fait appel à Misali Hadj pour qu'ils puissent convaincre les pays arabes et les pays musulmans de façon générale à aider à la libération, non pas seulement d'Algérie, mais de l'Afrique du Nord, l'étoile nord-africaine. Et c'était à la dissolution de l'étoile nord-africaine par l'administration française que Messali a créé le PPA, et donc que l'étoile nord-africaine a été laissée de côté, puisque dissoute officiellement. Donc, non seulement le Khabaïli Sissé ou l'Um, ils en ont fait leur leader, ceci dit à juste titre, parce qu'il est devenu un grand militant, c'était un communiste, il est marié à une Française, et à l'époque, il acceptait l'idée déjà de l'étoile nord-africaine, que en ce qui concernait justement cette partie du monde, d'un point de vue géopolitique et surtout géoculturel, c'était justement une appartenance à l'Afrique, une appartenance au bassin méditerranéen, etc. Et on a commencé à parler aussi après la dissolution de l'ENA et que le mouvement nationaliste devenait algérien, on a commencé déjà à parler de ce qui a abouti en 1948 à l'Algérie algérienne. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu un basculement? Le basculement a eu lieu en 1931. Il faut que nous, Kabyles, et nous, Algériens, d'une façon générale, on prenne acte de cette date-là. 1931, il s'est passé quoi? 1931, il y a eu le fameux congrès
panarabiste de Jérusalem, qui a été organisé par Shakib Arslan et un certain nombre, évidemment, d'idéologues du Ba'ath, et Messali Hajj et les ulama algériens ont été invités à ce congrès. D'abord panarabiste, ensuite, au fur et à mesure des travaux, il est devenu aussi pan-islamiste. Parce que dans la tête de Shakib Arslan, qui était chrétien, qui a fait ses études à la Sorbonne, c'était évidemment face à une vague, j'allais dire islamiste, mais pas au sens d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse de l'anachronisme. Donc l'islamisme à l'époque, dans les années 30, entre les deux guerres principalement, mais pas seulement, à partir des années 1880, voire même 1870, à partir de la guerre germano-française, la perte de l'Alsace-Lorraine, etc., les Allemands avaient compris que la force de la Grande-Bretagne et de la France, c'était les colonies, c'était donc les empires, où ils avaient de la main d'œuvre, où ils avaient des soldats, tout ça, bon marché, où ils avaient des matières premières, ainsi de suite. Et donc les Allemands avaient compris ça, et eux, ils n'avaient pas cet empire. Et donc qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, les Allemands? Ils ont commencé à collaborer avec l'Empire ottoman, à former des officiers turcs, d'où est sorti d'ailleurs Kemal Atatürk, qui est vraiment, je veux dire, un des généraux qui ont fait changer la face géopolitique à la Turquie. Et donc, les Allemands, avec les Ottomans, distillaient des discours comme quoi le monde musulman était sous le joug franco-britannique et qu'il fallait se libérer, justement, de cette emprise franco-britannique. Et du coup, l'islam devenait non seulement un ciment culturel, mais surtout un ciment idéologique et géopolitique. Et donc, à partir de ce moment-là, il était investi comme étant une idéologie libératrice. Et donc, lorsque les Français et les Anglais ont vu ça, il y avait déjà un début de manifestation au Pakistan, en Afghanistan, en Indonésie, en Iran, etc. Il y avait donc des manifestations énormes contre l'Empire britannique et contre l'Empire français. Et à ce moment-là, ils ont pris conscience. Et ils ont donc essayé de dire aux chrétiens libanais, irakiens et syriens, vous voyez cette vague islamiste qui est en train de monter, elle va vous emporter en tant que chrétien d'Oran, d'Orient. Vous voyez les lapsus, tout ça, c'est... Donc les chrétiens d'Orient, ils ont pris peur. Ils ont pris peur et, évidemment, ils ont développé, ils ont cette idée de panarabisme. Donc les chrétiens se sont investis beaucoup plus que les Arabes. À l'époque, les Émirats ou les Saoudiens s'en foutaient complètement de ça. Les vrais Arabes n'étaient pas du tout concernés. C'était plus les Syriens, les Irakiens, les Libanais. Et petit à petit, les Égyptiens. Et donc, ils voulaient créer une digue en créant le panarabisme et pensaient mettre un frein au pan-islamisme. Donc c'est comme ça que petit à petit, il y avait, à partir du congrès de 1931 de Jérusalem, une jonction entre le panarabisme et le panislamisme qui est devenu, dans le discours nasseriste, l'arabo-islamisme, et que nous avons subi, et que nous subissons encore, et que les ampleurs que vous connaissez. Donc c'est extrêmement important de savoir que toute cette lutte idéologique, géopolitique et tout ça a fait justement de nous des victimes
et a fait de nous, justement, parfois même des acteurs à notre corps défendant, des acteurs justement de ce mouvement. Il mérite du mieux faire qu'il soit arabe. Et on a fait dans le lit. On a été l'échelle pour Messali Hajj, pour l'ascension de Messali Hajj. Et donc je reviens à mon idée. On aurait dû réclamer Messali Hajj. On aurait dû le réclamer en tant que Kabyle. D'un point de vue tactique et stratégique, oui, c'est nous qui avons fait Messali Hajj, ce qu'il était devenu. Malheureusement, au lieu justement d'utiliser ce capital, non seulement on a rejeté complètement son œuvre, son travail, son militantisme, mais on l'a donné en cadeau sur le plateau à d'autres qui n'ont pas. On va l'attendre pour qu'il soit un héros pour la Kabylie. Pourquoi ça? On aurait dû le faire juste à temps. Il a demandé si vous pouvez m'arrêter à tout moment. Après, on va attaquer le débat parce que c'est la même lien. Je vais vous donner la parole, évidemment. Mais bien sûr que moi, évidemment, avec. C'est le texte de Slimane Azim qui m'a fait prendre conscience. Même les miracles de Khadr. Les miracles de Khadr Gomorabo. Gomorabo. En même titre que Bourifa, en même titre que Aït Ahmed, que Cheikh Mohamed Al-Hussein, que Cheikh Khadr, etc. Qui encore? Donc on aurait pu récupérer des nazirs. Mais bien sûr, des nazirs. Mais évidemment. Et donc, justement, on a fait en sorte qu'on le donne non seulement symboliquement à nos adversaires, mais on leur a donné comme arme contre nous. Comme arme contre nous. Donc il y a énormément comme ça de choses que nous avons laissé glisser entre nos mains parce que nous sommes assez radicalistes, puristes et tout ça. Ça c'est un débat à mener. Hein. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui justement devrait être pris en compte dans notre stratégie de lutte, bien évidemment, qui nous permette de ne pas faire de concessions par rapport à l'essentiel. Mais d'avoir une marge de tolérance qui puisse nous faire accepter ce qui nous appartient, même à la marge, mais ça nous appartient. Ça nous appartient. Par exemple, Boubrela, dans ce cas-là, on rejetterait Boubrela, qui était le lieutenant de la Formation. Boubrela, vous allez me dire qu'évidemment, à l'époque, la Kabylie, parce que très souvent, on se pose la question, même Gay Tizios. C'est de la folie. C'est de la folie. La Kabylie. La Kabylie, elle allait de Chif jusqu'à Kolo. Le Dara, le Zaka, l'Atlas Bidéa, les Bibans, les Babors, Durdura, la Corniche Kadir, c'était la Kabylie. Regardez les premières cartes de géographie faites par les spécialistes français, par les stratèges français. Qui soit civil ou militaire. La Kabylie, elle allait de Chif jusqu'à Kolo. C'est le capitaine Karet qui, dans son rapport, la Kabylie proprement dite, a limité la Kabylie à Gaïté Zéouzo. C'est lui qui a transformé et qui allait déjà de son époque de Boumerdès jusqu'à Adjidjel. Et après, évidemment, transformé encore davantage par Boukharoba, alias Boundiel, et qui a continué d'être transcendé. Mais la Kabylie, c'était, encore une fois, j'insiste là-dessus, Bouhanam Sansal, lui, il se prend pour un Kabyle. Un Nazir, il sait très bien qu'il est de la Kabylie de l'époque du 19e siècle. La Kabylie du 19e siècle, c'est ça. C'est le Dara, c'est le Zakar, c'est l'Atlas Bidéa, ainsi de suite, jusqu'à la Corniche Kabylie, jusqu'à Kolo. C'est très important, très important. Borja Boerevitch, c'est le cas de le centre de la Kabylie, à l'époque, le centre, la partie sud, l'est-ouest.
C'est extrêmement important qu'on prenne conscience de toutes ces dimensions-là. Et donc, évidemment, donc Sulayman Azam, évidemment, à la sortie de Inasim Fulani, juste après l'attentat, cette chanson, évidemment, est passée inaperçue. Elle devient l'objet de controverses à partir de 1967. À partir de 1967, date d'interdiction de production de Sulayman Azam sur les ondes algériennes. Pourquoi 1967? Et ça, c'est Mohamed et Kamel Hamadi qui me l'ont raconté et qui ont fini par le raconter même publiquement à la télévision et dans les conférences. C'est qu'en 1967, lorsqu'il y avait la fameuse guerre israélo-palestinienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un certain nombre d'artistes, notamment des chanteurs, d'acteurs de cinéma, etc., français, mais du Nord, occidentaux d'une façon générale, qui avaient pris position contre Israël. Et Alger avait établi une liste donc, de tous ces artistes pour les interdire à la fois sur la radio, la télévision, etc., algérienne. Et quelqu'un. Alors, c'est qui ce quelqu'un? À ce jour, on ne sait pas. Quelqu'un est venu rajouter à la liste, au stylo, à la main, à la liste qui était dactylographiée. Il a rajouté le nom de Sulayman Azam. J'insiste là-dessus parce que Ben Mohamed insiste. Ben Mohamed insiste. Quelqu'un est venu rajouter à la main le nom de Sulayman Azam à la liste des Occidentaux qui étaient interdits. C'est vous dire que les choses ne sont pas aussi simples. Et donc c'est à partir de cette date-là qu'on a interprété Inasim Fulani comme étant un appel au FLN, Fulani, etc. Alors que Fulani en Kabylie, tout le monde sait, mais je ne suis pas vous apprendre ça quand même. El Fulani, quand on ne connaît pas quelqu'un, on l'appelle El Fulani. Ça a aussi un autre sens. Si on a El Ghazni, on a El Fulani. C'est-à-dire, c'est un personnage, ainsi de suite. Non, mais il y a El Fulani qui dit, quand vous interpellez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ah, El Fulani. Donc, un nom polysémique, ça veut tout dire sauf effet. Ça veut tout dire sauf effet. Et en plus, il s'adresse, donc je vous ai lu la partie où il s'adresse à lui, en tant que personne, et donc où il dit, parce que Misal Hajj, évidemment, avait déjà épousé le langage de l'islamisme, ou en tout cas de l'islamité, etc. Et donc il se présentait comme étant le musulman, l'incarnation du mouvement islamique, etc. Et donc c'est un cinéma nazi qui était messaliste depuis 1937, évidemment, s'est trouvé moralement obligé de lui faire appel, et donc qu'il arrête justement, que vous ne l'avez pas vécu comme moi. On était gamins, on était peut-être la majorité d'entre vous n'était pas nés, mais historiquement tout le monde le sait, Abd al-Rahman avait appelé tous les partis politiques à se rendre pour faire front commun, pour créer justement le front de libération nationale. Tout le monde avait rejoint les rangs, y compris les ulama, y compris les libéraux, sauf le MNA de Misal Hajj. Et donc il y avait cette guerre fratricide qui a fait des centaines, voire des milliers de morts. Officiellement, ça aurait fait 450 morts dans la région parisienne. Mais Ali Guinoun, que vous avez invité, il m'a dit qu'il avait des milliers de morts. Et donc, Mahmoud Khalidi disait la même chose, qui est d'ailleurs une des choses de Ali Guinoun. C'est René Ladissot et Mahmoud Rabou. Donc voilà, c'est pour vous dire. Donc, je ne vais pas évidemment abuser de votre gentillesse. On va passer au débat parce que je peux en parler encore une fois des jours et des jours sur cette œuvre-là. Je vous remercie.
Un débat sain et on va se poser des